Il vous a manqué ? Vous l'attendiez tous ? Votre designer préféré, Anthony Priello, aujourd'hui va vous fabriquer une voiture ! Je vais construire une voiture. J'ai honte de vous le regarder en face de vous pour vous le dire. Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez compris, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais fabriquer une putain de voiture, les gars, ok? Après, la rampe de skate, la cabane, je vais construire une voiture. Vous allez voir, dans les semaines à venir, il y a une construction qui va arriver et ce sera sans doute la dernière de la chaîne ou vraiment, il y en aura une plus tard, mais dans très longtemps. Mais ça va vraiment être... Ok, vraiment, il devient fou. Clairement, vous allez vite comprendre, vous allez voir. Donc c'est pour ça, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, mettez bien la cloche de notification, vous verrez, il y aura une construction de dingue. Vous verrez dans les jours à venir. Bon bah écoutez, comme d'habitude, j'ai fait avec mon imprimante 3D le plan, les dimensions, tout ça, à l'échelle près, à 1,5 l'échelle. Regardez juste. Les gars, comme d'hab, à l'impro, au talent. Donc bah écoutez, c'est parti, comment fabriquer une voiture? Fabriquer une voiture. Attends, Anto, mets les effets là. Voilà. Vous savez, ça va être très simple. Je vais même pas vous dire comment je vais le faire. Je vais juste vous montrer un objet et vous allez comprendre et vous allez vous dire. Mais t'as réfléchi à ça? Regardez juste ce que vous allez voir. C'est n'importe quoi. Pourquoi je fais cette vidéo? Allez, c'est parti. Je vais chercher l'objet en question. Oh, ils vont me détester. Je vais me servir de ce vélo. Même, je vais en prendre peut-être deux vélos, je pense. Il n'y a plus de frein, ok. Pour faire les roues de ma voiture. Non, franchement, je pense que ça va être vraiment... Franchement, là, d'habitude, je doute sur les vidéos. Je me dis, ouais, je sais pas si ça va être bien ou quoi. Mais là, vraiment, je sais que ça va être quelque chose de bien, de vraiment cool. La voiture va rouler. Alors, bien sûr, les pneus sont HS, complètement HS. Donc, regardez juste, la roue a fait ça. Bon, du coup, comme vous aurez pu comprendre, vu que je suis ingénieur et que je suis le meilleur, bien sûr, cette voiture n'aura pas de moteur. Je vous déçois, tu sais très bien. Mais je ne peux pas mettre de moteur sur une voiture, les gars. Putain. Mais il n'y aura pas de moteur, je te disais. Eh, ferme ta gueule quand je... Ferme ta gueule quand je parle. Alors, il n'y aura pas un vélo, mais deux. Du coup, je prends ce deuxième vélo. Je vous explique ma stratégie. Dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, moi, je trouve que c'est plutôt carré. En fait, en gros, il y aura un vélo ici. Sur le côté de la voiture, ils ne seront pas visibles. Il y aura la carrosserie. Je sais pas comment ça va se passer pour la carrosserie. Bref, il y aura un vélo ici et un vélo ici. Ok, mais où je vais me mettre, moi? Voilà. Et du coup, c'est deux pédales, je vous explique. Voilà, donc il y aura un vélo ici, en gros. Du coup, je vais recouvrir les deux vélos. Sur les deux pédales ici, là, je vais mettre une planche de bois. Comme ça, il n'y aura pas deux pédales, mais une seule. Comme ça, j'aurai juste une pédale à avancer, tout simplement. Une seule pédale fera avancer les deux roues. Franchement, je suis fier de moi, là. Là, franchement, dites-moi en commentaire. Je suis sûr qu'il y en a plein qui sont choqués de mon idée. Parce qu'elle est incroyable. Alors, je vous vois déjà derrière vos écrans, vous là. Oui, toi, je te vois là. Ceux qui vont me dire, ouais, mais de base, t'as dit fabriquer une voiture, donc t'aurais dû aussi fabriquer les roues, fabriquer... Les gars, je n'ai absolument rien. Vous avez bien vu, à chaque fois, dans la construction du skatepark, dans la construction de la cabane, il manquait plein de trucs, du bois à chaque fois. J'ai pas beaucoup de bois, les gars, ok? Donc, il faut que vraiment, à chaque fois, ce que je vais faire, ça va être toujours avec de la récup. Des vieux vélos, qui vont en état de mort, et bah, de la récupération. Donc, c'est carré. Et en vrai, je pense vraiment que cette voiture va être plutôt pas mal, franchement. Et dites-moi déjà dans le sondage ici, là, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'à la fin, ça va rouler? Est-ce que vous pensez qu'à la fin, ça va être de la grosse merde? Ou est-ce que ça va être carré de chez carré? Ça va être énervé. Je vais vraiment marquer tout ça dans le sondage. Donc vraiment, prenez le temps de voter parce que j'aurais galéré à l'écrire. Voilà. Ok, bah écoutez, moi je vais aller chercher tout ce qu'il faut, tous les matériaux, les visseuses, la scie sauteuse, tout ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer cette voiture. Et après, c'est carré, les gars, on va pouvoir commencer à faire cette voiture de dingue. Bah, ça va être énervé. Je l'espère tellement, les gars. Allez, go, je vais chercher les petits outils. Putain, j'ai eu très très peur. Ok, donc là, ce qu'on va faire, c'est assembler du coup ces deux vélos. Parce que sinon, quand je vais rouler, bah du coup, la voiture va s'écarter, quoi, naturellement. Et les vélos ne vont pas tenir. Donc en gros, on va, comme je vous ai dit, du coup, ça va être mon petit siège, ok? Mon petit siège où je vais être posé comme ça et je vais pouvoir pédaler pour pouvoir rouler avec la voiture, quoi. Donc on va essayer de placer ça déjà. J'en ai aucune putain d'idée, ok? Comment je vais le faire, mais on va essayer. Ça va être la pédale du centre pour pouvoir faire avancer les deux roues en même temps. En fait, dans ma tête, ça a l'air tellement si simple, vraiment, je vous ai dit. Mais en réel, on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, j'ai fabriqué une rampe de skate. Bon, c'était pas ouf, mais ça a marché. Cabane, franchement, c'était le meilleur truc que j'ai réalisé pour l'instant. Voiture, on verra. Peut-être que je m'améliore de plus en plus. On va voir. Bon, allez, on va prendre les vélos. Okay. Anthony. Oui. Tu vas vraiment fabriquer une voiture là? Ah oui, pourquoi? Pourquoi t'as des idées aussi éclatées au sol? Je sais pas. J'avais envie de fabriquer un vélo. Une voiture.
On va dire que ça, ça va être la largeur de notre voiture. Et c'est parfait. Ok, les pédales sont là. Et je parle pas de moi. Ok, donc là, on va mettre ça. C'était stylé quand même. Avouez-le, dites-le, c'était stylé. On va mettre ça ici, sur les deux pédales, du coup, pour pouvoir avoir cet effet de tourner et que les deux pédales tournent en même temps. Tout simplement, regardez, je vais faire deux trous dedans et je vais passer ça, des colliers dedans. Tout simplement, on va pas se faire chier, les gars. Ma chaise est trop courte. Bob le bricolo, c'est moi, ouais. Regardez, c'est ma petite. Ah. Ok, donc là, du coup, je vais mettre ça comme ça, en fait, en gros. Ok, bon, on va voir, on va essayer. Ok. Ok. Arrête de bouger, toi. Bébé, arrête, s'il te plaît. Ok, on recommence. Allez, c'est parti, on est calme. Ok. Donc là, on a la pédale. Si jamais on fait ça, ça va avancer. Oh là là, mais je le sens. Je le sentais bien de bas, je vous jure. Mais là, je le sens de moins en moins. Si ça marche, en tout cas, les gars, vraiment, je veux que vous vous abonnez tous. Vous partagez toute cette vidéo. Et que maintenant, vous m'appelez vraiment Bob le bricolo. Ok? Spammez Bob le bricolo. Vraiment, si j'arrive, s'il vous plaît. Vraiment, parce que là, je me sentirai plus après. Maman, aujourd'hui, je fabrique une voiture. Tu penses que je vais réussir? Non, franchement, tu réussiras. Non. Quand votre mère ne croit pas en vous, perdez espoir. Non. Anthony, tu vois bien que t'es un beauf. Ton skatepark, c'était de la merde. Ta cabane, encore pire, j'en parle même pas. Et ta voiture, ça va être de la grosse merde. Tu fabriques quoi, là? Ma voiture. Donc, il me faut une autre barre pour accrocher les volants, les gars. C'est parti. Aujourd'hui, je vous présente Anthony, designer le plus connu sur YouTube, bien sûr, qui va nous faire aujourd'hui une voiture à l'aide de deux vélos. Et qui, en plus, sa mère croit vraiment en lui. Pas du tout. Voilà, comme ça, ça va vraiment pas maintenir. Ça va maintenir, ok? Bon, je vous le dis, dans cette voiture, il n'y aura pas de frein. Bon, à vrai dire, je pense qu'avec la vitesse où je vais aller. Verdict, est-ce que si je les prends et que je les mets là, est-ce que ça tient tout seul? Oh, je suis trop fier de moi! Oh, on recherche Anthony vite! Ok, si imaginons, il y aura mon petit siège. Donc, mon siège, je vais vraiment le mettre ici à l'arrière. Si imaginons, je fais ça. Ah, bah, moi, je peux pas reculer. Si je réussis, tu vas voir tous les gens qui ont pas cru en moi depuis des années. Ils vont dire putain, Anthony, il est trop fort! Ouais, t'as juste fait une voiture avec deux vélos. Oui, je suis en galère, oui. Et alors? Ok, mais par contre, comment je peux avancer? Enfin... Du coup, comment je fais pour avancer? Je ne peux pas avancer. Ça marche? Attends. Dans le tournage, je croyais vraiment que j'avais fait quelque chose d'ingénieux de ouf. C'est là, une fois au montage, que je me suis rendu compte de la chose. Là, je suis sur vraiment le point d'innover quelque chose. Innover quoi? Putain, t'as mis deux vélos avec des planches? Je vous laisse, j'arrête là. Je vous laisse avec la suite de la vidéo, mais en tout cas, bon courage pour supporter un mec qui est tout content d'avoir fait ça. C'est vraiment bizarre ça. Mes enfants, je vais leur faire des trucs de ouf, je vais leur faire des vraies fusées pour qu'ils aillent dans le ciel, je vous jure. Je vais faire des dingueries. Bon là comme ça, ça a l'air ridicule. Mais après je vais faire une carrosserie et tout. Comment? Je ne sais pas, parce que j'ai plus de bois. Mais on va trouver une solution. Et c'est parti, on va le cuter. Oui, restez bien sur la chaîne parce que bientôt, je vais faire une vidéo avec lui. Vous allez voir pourquoi. Non mais te mets pas dedans. Attendez là, vous entendez? Oui. On se retrouve souvent ici pour faire du bricolage quand même. Souvent, j'ai l'impression. Là, ça commence à être une chaîne de bricolage, là. Attention. Attention. Et c'est parti, mesdames, messieurs. Pour un tour de balai. Ok, du coup, là, on a notre petit truc pour pouvoir s'asseoir. En gros, ce sera notre siège, ça, vous voyez. J'aurais jamais pensé une seule fois dans ma vie sur YouTube vous montrer comment faire un siège. Wesh. J'ai eu un t-shirt sur la gueule. Ça, je peux m'asseoir dessus ou pas? Oui. Ah! Ok, bon, finalement, je pense que je vais foutre ça, cette planche-là ici, ok. Ça commence à être très très chaud, je mens pas. Donc, ça, je pense que je vais foutre des vis dedans. Ça a l'air de bien tenir. Non. Fils de. Putain. Ça a l'air de bien tenir. Putain. J'ai fait une voiture avec deux vélos.
Ouais, c'est nul. C'est n'importe quoi. Oui. A few moments later. C'est la fin de la vidéo. Entre, je vous ai laissé une pause. J'ai voulu laisser la surprise de la belle voiture de la fin. Comment vous dire? C'est quoi, juste recul, je parle pas, je dis rien. Mais je peux pas reculer, franchement, je peux pas leur montrer ça, Anthony. Non, en vrai, franchement. C'est pas mal, voilà, ne jugez pas, franchement, c'est pas mal. Maintenant, on va voir si elle roule. Du coup, si jamais elle ne roule pas, vraiment, c'est un échec. Mais même si ça marche pas, je le mettrai quand même sur la chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai quand même envie de vous montrer quand je fais des échecs. Et je pense qu'il y a eu tellement de trucs drôles dans la vidéo, quand je suis tombé, là, quand la planche est cassée. Aujourd'hui, c'était vraiment, si elle roule, pour moi, c'est réussi. Alors oui, l'esthétique, je l'ai pas soignée parce que ça m'a cassé les couilles. Vraiment, cette voiture m'a cassé les couilles. Bah, il n'y a pas d'esthétique, quoi, enfin... T'aurais pu au moins peindre les planches, je sais pas, faire un truc, mettre un petit nœud. J'avais aucune envie. Des rétros, des rétros. T'imagines même pas toutes les galères que j'ai eues dans la vidéo. Des rétros. Bon, allez, maintenant on va passer à la partie. Bon, attendez, je la filme quand même un petit peu pour vous montrer. What's the made of sauce, boy? Bon, vous êtes prêts? Prêtes ou pas? Oui. Mais je le sens pas du tout. Tony, fais attention quand même. Mais comment tu vas faire pour rouler? Là, j'ai mon volant. Ton volant? Voilà. Ah d'accord, bon vas-y Mia, ouais, vas-y. Ça avance plus. Ah, mon doigt. Il est coincé entre le frein et la planche. Non. Ah. Merci. Putain, rien de voir cette vidéo. Attends, est-ce qu'on peut encore avancer ou pas? Vas-y. Anthony, mais qu'est-ce que t'as fait là? Regarde le pneu aussi là! Mais Anthony, pourquoi t'as pris ces vélos là? Il y avait que ça! Ça roule même pas! Je croyais vraiment, je me suis dit à la fin, je voyais un truc de ouf! Genre, je me suis dit vraiment la voiture, genre. Essaye de rouler! Non mais écoute-moi, je me suis dit, je vais aller sur la route pour rouler avec! Sur la route? Oui! Tellement hein. Je me suis dit, ça va être un truc de ouf ce que j'allais faire! Putain, je suis dégoûté! Attends, j'essaie de ramoncer encore! Oh. Bon voilà, après le bateau, après la cabane, après le skatepark, je vous présente la voiture! Ah, ça mon gars! C'est parti! Et là, comment je vais l'archer? Oui! Oh non! Oh non! Il n'y a plus de voiture! Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. C'était un gros bordel de A à Z, donc voilà. Franchement. À la base, je me suis dit tout à l'heure, je vais pas mettre la vidéo parce que j'ai pas réussi, du coup, c'est pas drôle pour vous. Non, faut que tu la mettes, c'est mais elle, c'était tellement une catastrophe du début à la fin. De toute façon, je le sentais pas cette vidéo. Je la sentais vraiment pas. Mais la prochaine construction, par contre, la dernière, celle-là va être énervée, j'en suis sûr à 1000%. Je suis prêt à couper ma. Ah! Bon, est-ce que vous lui redonnez une chance pour les constructions? S'il vous plaît, donnez-moi une chance. Est-ce que j'ai vraiment un gros projet à faire pour la semaine prochaine là? Un truc de malade. Un truc de malade? Oui. Bon, attendez, du coup, je vais vous faire l'outro sur mon vélo. Attendez quand même, faut un peu récapituler cette vidéo quand même pour un truc qui roule. Donc voilà, premier vélo d'Anthony. M'en fous, je voulais un truc qui roule à la fin de la vidéo, ça roule. Au moins ça roule là. Voilà ma voiture. On dirait pas saut qui arrive dans le truc. Franchement t'es plus classe avec ça que ta voiture avec tes. Regarde comment je gère en plus. Franchement tu gères. Regarde le tournant de la mort. Là, je vais faire Y, c'est prod dédicace pour toi. Même toi, tu sais pas faire ça. Oh, fallait mourir. Bon, bref, on va faire l'outro sur ce petit vélo. Attends, il y a un truc stylé quand j'arrive, tu sais. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que t'as aimé cette vidéo. J'espère que t'as kiffé quand j'ai tuné ma caisse. Donc voilà, c'était une caisse. Alors, je vous dis, elle est à peu près à 400 chevaux. C'était une diesel, du coup l'essence très important, n'oubliez pas, parce que sinon voilà. C'était de la merde. C'était de la merde, c'est ce que j'allais dire aussi. C'est pas grave, on a essayé et je pense que vous même vous. Voilà, j'ai bien rigolé, t'as dit on a bien rigolé, j'étais tout seul en fait. Je t'ai regardé. Je rigole. Bon voilà, bref, d'ici là la team, n'oubliez pas, bah, du coup demain une nouvelle vidéo, vu que tous les jours une nouvelle vidéo. Hein. À demain la team, et sur ce, n'oubliez pas, sur comme d'habitude, je vous le dis en Y. Prenez soin de vous.
Je la mets ou pas? Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps.